Bon, qu'est-ce qu'on a là? Stabilisateur augmente votre vitesse de rechargement. Et là, c'était quoi déjà? Augmente votre vie maximum. Rechargement ou vie max? Telle est la question. On a déjà trouvé deux vie max. Je crois qu'il y en avait trois en tout. Parce que quelqu'un m'avait dit que j'en avais loupé un. A voir. Écoutez, on va voir ça de suite. On save. Et on continue. Parce que je veux connaître la fin tout de suite. Peut-être que je couperai l'épisode en deux hein, si je veux que ça soit diffusé aujourd'hui. Les objets de Mia ont été ajoutés au coffre. Ok. Ah putain, 6 clés. Ah, j'hésite. Vie ou... Oh là là, j'ai tout. C'est bon. On est reparti, les potes. Ok. Donc, 2 soins. J'avais des fluides. Bah ouais, j'avais des fluides à gogo. Vous savez quoi? On va save juste avant de faire le gros heal. Parce que là, ça sent le boss final. Là, je vous le dis très honnêtement, ça sent le boss final. Ou en tout cas, la partie finale du jeu. Donc on va save une bonne fois pour toutes. Je vais faire encore un gros soin. Ok. Plus de vie. Bon, vous savez quoi? On va utiliser ça. On va utiliser ça. Parce que la vie, en vrai, avec les soins que j'ai, j'en ai suffisamment. Et ben voilà mon petit pote. Stabilisateur, ça c'est bon ça. Et on applique. Donc grâce à ça, je vais pouvoir reload beaucoup plus, enfin normalement beaucoup plus rapidement. On verra, votre vitesse de rechargement augmentée, on verra ce que ça donne. Ça me libère une place en tout cas. Hop, tout ce qui est munitions, vous savez quoi, j'aime bien quand c'est bien organisé. Ok, mitraillette, magnum. Ah bah de toute façon ça sert à rien. Hop, je peux le ranger. Allez, on remballe. On remballe, ça sert strictement à rien. Ça par contre, voilà, je vais mettre ici. Bon, on va prendre lequel? Un pistolet de puissance moyenne. Un petit pistolet de puissance moyenne trouvé dans le bateau et un pistolet de puissance moyenne conçu. Ok, bon. Bah écoutez les gars, on prend, on dit pas non. Et une bombe télécommandée peut-être? Ça mange pas de pain? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ok, on va prendre une autre save cette fois. On est prêt les gars, on est armé, de la tête aux pieds. Et puis on va voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas... J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le boss final. Parce que là où c'est incroyable, c'est que j'ai pas été spoilé. Et ça, ça fait vraiment kiffer. Ok. Donc, magnum. Peupon. Mitraillette. On est bon. On est même très très bon. Hop. Bon, les gars, là ça déborde. Alors, attendez. Tiens, encore, voilà. Si tu veux. Ok. Ok, on reload. On va voir si c'est vraiment plus vite. Ah, ça a l'air plus vite quand même. Allez, dégage. Là, vous êtes chiant. Autant je voulais bien rire avec vous. Hein, on était là, on s'amusait tous ensemble. Autant là, vous êtes chiant. Ok, on peut continuer. J'ai pris combien d'herbes sur moi? J'en ai pris encore? Moi, j'en ai pas. C'est pas grave. Bon, là, tu es 3. Ah oui, je voulais utiliser ça. Yo, frérot. Se dégage. J'ai vraiment pas le temps pour vos conneries. Là, les gars, la loi. La loi, c'est moi. Non, j'ai pas le temps, je vous dis. Franchement. Vous insistez, les mecs, hein. Hop. Ok. Cartouche de pompe en plus. Oh. C'est incroyable. Combustible, je ne m'utilise pas cette arme. Dommage. Ok. De l'herbe. C'est incroyable ça aussi. Alors là par contre c'est chiant. Attendez. Là par contre c'est chiant parce que j'ai beaucoup trop de choses. Comment on va faire? Munition améliorée. Ouais mais les mecs. Écoutez, on va acheter ça. On va prendre ça. Et on va se faire encore un gros soin. C'est pas grave. Vaut mieux plus que passer, comme on dit dans le milieu. Ok, on peut y aller. Oh, j'ai tout arraché, les gars. Bah, attendez, j'ai des balles de...
des balles de mitraillette, j'ai tout ce que tu veux, frère. Je m'en fous, je suis généreux, on est généreux. C'est l'épisode de la générosité, les gars. J'ai 2 balles de magnum, bah, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Allez, peut-être une poudre à canon, ça aurait été pas mal pour pouvoir... par contre, attendez, j'ai peut-être une chose. Trop rapidement, ça va ouvrir de quel côté là? J'ai peut-être fait le show là. Ok, ça n'ouvre pas derrière, c'est rassurant. Ok, ferme là, t'es chiant. Tu gueules trop pour rien. Là, on est dans un univers où je peux pas trop stresser. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Là, les gars, vous me forcez à utiliser des balles de... Ah oui, c'est chiant. Hé, il me force à utiliser des balles de pistolet. Bon, attendez. Rien d'autre. Ok. Ok. De l'herbe. Non, mais les mecs... Ouh, salopard. Ok, on va faire le tour. Bon, les psychostimulants ont pas été très utiles. Je prends ça, par contre. Oh, merde! Non, pardon! Relève-toi! Oh, j'ai utilisé une balle de magnum dure! Oh, j'allais dire, putain, les gars, j'ai des réflexes incroyables, je suis une machine! Et j'ai osé! Oh non, j'ai envie de chialer! Bon, une balle de magnum, les mecs. Va pas falloir déconner, hein. Va falloir y aller et tout donner. Ok. On sait toujours pas où on va, hein. Vous l'aurez compris, c'est la merde totale. Bon, hop, je prends. On va utiliser les 5 dernières... 5 dernières... Alors, faut surtout pas que je fasse, flèche de droite. Oh putain! J'en récupère une! Le destin! Le destin a bien voulu me régaler! Ok, on peut continuer. Bon, en soi, 45 balles, on va peut-être les garder. Oh! Ok. Aïe! Oh, gros! Quoi? C'est sérieux? Il m'a enculé! Il m'a comboté, je ne pouvais rien faire, les mecs. Je pouvais pas me soigner, je pouvais rien faire. Il m'a comboté, j'étais pas prêt. Même s'il n'est pas très résistant, ce monstre est extrêmement agile et rapide. Profitez des moments où il est à l'arrêt pour lui tirer dessus. Le quadrupède. Ah bah d'accord, bah c'est comme ça que j'appelle... Enfin, le rampant, là. Ça s'appelle le mycomorphe, quadrupède. Très bien. Par contre, je vous avoue que j'étais pas prêt à ce qu'il vienne par derrière. Donc, bon. Ah, par contre, j'ai récupéré... Oh, très bien. Non, toi tu restes allongé, frérot. J'ai récupéré ma balle de magnum. Oh putain. Putain, mais mec, je vais la faire combien de fois, cette connerie? Ok. Bon, je prends de l'herbe aussi. Ok. On va voir si on le laisse là, si quelqu'un va tomber dedans. Ça peut être drôle. Hop, on va pas refaire la même bêtise. Attendez. Si on va de l'autre côté. Ouais. Ça marche, bébé. Ok. Allez. Hop, une distribution. C'est moi qui régale. Eh ben, nickel. Non seulement on a récupéré notre balle de magnum, mais en plus ça nous a donné une nouvelle chance. Alors par contre, j'ai plus balle de pistolet. Franchement les gars, le pistolet, on s'en bat littéralement les couilles. Hop, on va déplacer là. Comment je fais pour avoir encore le pistolet dans mes mains? C'est quoi ces conneries? On sait qu'ils vont être 2 derrière. Donc cette fois-ci, bah, on va assurer nos arrières, hein. Allez, oh oui. J'ai cru qu'il n'y avait plus de balle de magnum possible. Enfin, que c'était un autre loot qui était venu. Ok. Passer par ici. Ouais. M'intéresse ça, bébé.
veut se lever? Moi je distribue les gars. Plus personne? On est bien d'accord. C'est bien ce que je voulais entendre. Ok, on peut continuer. Ok, toi tu dégages, frérot. Ok, ils sont gourmands. Je sais pas pour quelle raison. Mais c'est pas grave! J'ai encore quelques balles! Ouais, désolé, dans l'excitation, j'en ai peut-être lâché même un peu trop d'ailleurs. Ok, fais pas le con, toi. Fais pas le con, Jean-José. Oh, les mines, putain, mais il y a tellement de... de niveaux différents, c'est totalement hallucinant, hein, vraiment. Vous avez vu? C'est... on a fait quoi? On a fait manoir, vieille maison. Marais bouquet. Le bateau. Ok. Je peux aller... oh putain, je peux aller partout. Je peux aller partout où le vent m'emmène. Bah, de toute façon, il n'y avait rien. Nickel. On a fait... donc voilà, manoir, vieille maison, extérieur, marécage, bateau, mine... peut-être fouiller là-haut, non? Non, on ne peut pas. Ok, on peut pas y aller. Bien dommage. Donc c'était plutôt, franchement, une aventure très variée. Je dis ça comme si on était déjà à la fin, mais enfin bon. C'est pas trop le cas, on va pas trop s'enflammer. Doucement les bobies. Ok. Ouais, je prends... putain, par contre, un peu trop de balles de mitraillette. Ça devient juste... ok, il y avait une bombe. Ça, c'est Lucas, ça. Et en plus, c'est... oh putain, salopard. Il m'a presque fait de la peine, Jack Baker. Parce qu'on l'a toujours connu méchant, et là, on se rend compte qu'en fait, bah, derrière sa méchanceté se cachait une famille tout à fait classique. Et loin d'être méchante, et je peux écrire... ah non, envoyez le vendredi. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle. Par contre, cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu chiant. Ok, donc apparemment, la gamine, c'est un virus qui a été injecté... volontairement, hein, comme Umbrella à l'époque, quand ils avaient lâché le virus T. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne, vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle « famille ». Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. D'accord. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle... vieillissait à vitesse grand V. Ah, elle doit peut-être se nourrir de personnes, je sais pas. Non, vous en pensez quoi, les gars? Peut-être qu'elle a besoin justement de se nourrir d'humains pour garder son apparence de petite fille, parce que là, de toute évidence, c'est plus une petite fille, justement. Ok, un coffre et un point de save. Juste de l'autre côté. D'accord. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Ce rapport détaille les symptômes survenants... oh putain, là, il va y avoir de la lecture dans cet épisode, les gars. Dans cet épisode 14, lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de la série E. D'accord, donc c'est le virus E, de ce que j'ai pu comprendre, désigné ci-après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun.
d'où mon bras que j'ai pu recoller. Lors de nos expériences, nous avons sélectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ok. Vous l'avez compris, c'est la merde. Et je pense que, bah, que la Sorot Mia, on va peut-être devoir la buter. Administration. Oh, c'est quoi ce truc? C'est hardcore. De la nécrotoxine E sur un cobaye de sérieux. Mais en fait, la gamine, c'était un cobaye. 5 minutes après, administration des vomissements. 12 minutes après, administration calcification. 10 minutes après, administration décès. Ah, et 12 minutes après, ok. Ouais, mais ils disent pas dans quel ordre les lire, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je suppose qu'il faut mettre ça dedans. Nécrotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de série E, à utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de série E dans le conteneur. D'accord ? Ce qui me donne le remède, normalement. Là, on est sur un remède. Ok. On l'a, les gars. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh putain, cette page. Les gars, c'est la Bible, le bordel. On va le lire, hein, parce que ça m'intéresse énormément. Mais avant cela, on va peut-être faire un autre tour. Attends, il y a combien de pages? 4... Oh, j'ai mal. Mon cœur vacille. Ok, bon, c'est dans la prochaine pièce, la scène. Ok, bah c'est parti, les gars. Un peu de lecture. Débuté en 2000. Eh, je vais le faire, vous savez quoi, en ASMR, là. Vous savez, en chuchotant. Débuté en 2000. Avec le... Non, c'est nul à chier. Avec le soutien technique de HCF. Ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative NexBass, Next Generation Experimental Battlefield Superiority. Putain, faut prendre sa respiration, mon pote. De la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NexBass a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. D'accord. Ah, ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi les éléments hostiles en dociles serviteurs, réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le HMM et même l'organisation de HMM, peut-être le Nemesis et même l'organisation de Umbrella Corporation ou Tricel. À voir. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte à Raccoon City de Virus T. Je sais pas, j'essaye de compléter. Hein. J'essaye de compléter selon une logique, mais c'est, ça m'étonnerait. Ou alors peut-être en Espagne, justement, dans Resident Evil 4, le nouveau virus. Ok, pourquoi pas. Espèce vicariante de fungus remarquablement avancé que l'on appelle communément Mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome du Mutamycète justement dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité. Les inexploitables ou défectueux, série A à D jusqu'à la série E, exemple de défaut. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément les populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Donc vous l'aurez compris, c'est une société qui a fait ça. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter le de Mutamycète justement à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le Mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et les esprits de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons
Encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués, c'est le bordel, dans le quorum 516 auquel chez les bactéries de type pseudo-mécouille. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phrases. La première se manifeste par des hallucinations, donc ça c'est ce qu'a eu Mia tout à l'heure. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Ah, c'est pour ça qu'on avait entendu sa voix dans la vieille maison à un moment. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide, mais à mesure que le temps passe, ses demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler et à agresser physiquement son entourage. D'accord. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit et c'est caché. Très bien. On va lire l'autre. Allez ! Voilà. Oh putain de merde. J'ai le vertige. Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé dans son acception, je pense, étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus, couplée à une force extraordinaire, leur confère un important potentiel de combat. Ok, bon, on a compris que vous utilisez ça pour le combat. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une, ok, sur des prélèvements de tissus d'Evelyn, permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque une calcification des mycéliums. Toutefois, dans ce cas, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on soumet à OK, les effets sont alors découplés à l'extrême, au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de... Oh la vache, les gars, sur les étoiles, tu t'es endormi ou quoi? Et ce, même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Bah peut-être que c'est une orpheline, ou peut-être que j'en sais rien, les gars. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui serait plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Bah voilà, les gars, c'est ce que je viens de dire. Un manque que seuls les parents seraient en mesure de combler. Ok. On a bien lu, hein. C'était très sympa. Là, on est sur une bonne lecture. Oh là, les gars, j'ai cru que j'allais embarquer la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, grenade incendiaire. Je prends. Voilà les choses intéressantes. Ok. Bon, bah écoutez, regardez ce qu'on va faire. On va reposer ça. J'ai des grenades incendiaires. On va prendre le lance-grenade. Hop. Et puis, on va essayer d'en finir rapidement. Allez, hop, on reload. J'ai 3 balles de magnum, c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a un point faible comme les yeux ou autre cette fois-ci. Aucune idée, on va voir ça tout de suite. C'est pas combien il va falloir de balles non plus. Aucune idée, on va voir ça tout de suite. Mais c'est fini, c'est la fin les gars, je pense. Parce que là, ils nous ont tout dévoilé avant. Je peux même pas ouvrir la carte, si. Ok. Ok, on fait un petit tour. Bon, mitraillette, j'ai ce qu'il faut. Allez, peut-être le crochet. Ok, il me reste de l'herbe. Ok, allez, encore un soin, je m'en fous. Ça mange pas de pain. Ok, j'ai ce qu'il faut, les gars. Attendez. Non, on va peut-être pas en sauvegarder, faut pas abuser. Alors, tout en bas. Mais on peut aller aussi tout en haut.
Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Bah y'a rien, bah y'a rien, voilà, écoute. T'as ta réponse? Oh, munitions améliorées. Sachant que je n'ai plus de pistolet, c'est intéressant. Vous voulez que je prenne le pistolet quand même au cas où? Ok, on va le prendre. On va le prendre, je me réponds tout seul. Un pistolet de puissance 1, ok, voilà. Ok. Bon. Bah écoutez, on va le reload. Mais en vrai, je sais pas si on va l'utiliser. Hein. Je sais pas du tout si on va l'utiliser, pour être honnête avec vous. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Quelque chose. Oh, des bombes encore, putain, les mecs. J'ai assez d'armes, j'ai assez de tout. Normalement, j'ai assez de tout, en tout cas. Hein, qu'est-ce que c'est que ces conneries? What the fuck? Ok, c'est par là. Ok, c'est par là. Allez, on y va! Il est temps d'essayer. Temps de voir ce que ça va donner. Ah! D'accord, je voyais pas ça comme ça. Elle chante. J'ai pas du tout volé. Mais alors, si on n'aurait pas fait le sérum, on pourrait pas la soigner, c'est ça? Prépare-toi à goûter mon magnum. Ok, on se casse. Rien à foutre. Rien à foutre. Ah! Pourquoi lui il peut passer et pas l'autre? T'es mort? Ok, on va peut-être pas trop faire les choses au niveau pompe. Parce que j'ai pas des balles illimitées. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Combustible, j'en ai rien à foutre. Cartouche de pompe, j'en ai pas rien à foutre. Ok, c'est bon, on a réussi à faire. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur là par contre. Enfin très très peur. Quoi? Quoi? Non mais c'est pas vrai. Putain, on court. On se raccroche à la vie. On se saoule avec le bruit. Ces choses qui t'entourent comme un trou de balle nourri de tresses sans comprendre la détresse. Ah, j'aime bien chanter, ça m'apaise. Ok, voilà, on va prendre encore Taro. C'est quoi ce connerie là? C'est quoi ce connerie là-haut? Et je l'ai loupé. Impeccable. Putain. Ah, putain. C'est pas vrai. Oh quoi? Quoi? Mais c'est pas vrai! Mais gros! Je suis bloqué par quoi?
se passe? Quoi? Oh là là, mais c'est pas vrai! Mec, tu m'as cassé les couilles de ouf! T'es où? Ça va aussi, le mec il fait tout le... ta map là. Tu veux vraiment que je t'arrache, gros? Ce mec est immortel! Tu me saoules, cowboy! Putain! C'est un truc de ouf! Il m'a saoulé, mais à un point! Il me donne rien, miskin! Il me chie à la gueule! Ok. J'ai donc deux remèdes. Ah non! Trois remèdes forts, quatre. Et une, bah, une bombe. Écoutez, on va repasser au pistolet à l'ancienne, je pense. En tout cas, bien sympa, hein, ce petit passage où le mec ne mourrait jamais. S'il y en a d'autres comme ça, c'est vraiment un plaisir. Vraiment un petit kiff. Petit bonheur comme ça, là, tu vois. Ah ouais, je pouvais passer par ici. Putain, ça menait à rien, c'est trop bien. Ça valait vraiment quoi, mon ami, hein. Ok. Il va y avoir encore d'autres épreuves, je suppose. J'aurais même pas prendre le pistolet, je devrais prendre les bombes télécommandées, je pense. Bon, il y en a un qui était facile à tuer quand même, le plus petit, mais alors le gros, oh putain, il vomit partout, dans toute... c'est dégueulasse, on va devoir racler les murs. Ok, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est bien dommage. Ok. Toujours des petits trucs pour regarder là-haut. Balle de pompe, mine de rien, ça part assez vite quand même. Donc on va pas faire les thugs. Ok, une nouvelle salle. Qu'est-ce que ça peut être? Ah! Point de sauvegarde. Munition de mitrailleuse et encore un remède fort. Et le plan de la mine! C'est incroyable, non? Ah oui! Ah! Il y a deux ou trois étages. Mais en fait, on est loin d'avoir fini, je sais pas. Mais on est loin d'avoir fini, les mecs! C'est fou! Ok, bah on y va. On y va, on y va, on y va. Putain, merde! Je pensais qu'on était proche. J'y ai tellement cru. Oh, le siège de mémé. Oh, on est de retour dans la maison! Putain, j'ai peur. Elle est plus là! Elle est plus là! Elle a disparu! Ok, la porte, j'ai bien compris. Mais on va là. On va où? Oh non, putain, s'il faut retourner dans. Oh non! C'est mort, les mecs! Ok, je revis tout. Salope. Tout est de ta faute. Pourquoi je vois tout ça? Ok, là c'est Ethan, elle est venue. Ça va aller. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas blesser. Tue-le, maman. Ah, mais t'aurais pas dû. Ah, c'est qu'en fait elle était juste derrière à chaque fois. Ça fait putain de mal. Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. D'accord. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. Quoi? Elle va pas me tuer, elle peut pas. Ok. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors, tu voudras bien jouer. Pas. Non! Éloigne ça de moi! Je dois t'as pitié! Quoi? Rentre chez toi!
toi. Mais elle peut me toucher ou pas en vrai là? Ça donne quoi? J'en sais rien moi. Ok. Bon, d'accord, très bien. J'ai tiré des balles pour rien. Oh la vache. Ok, maintenant faut repartir par là. Je comprends rien. On va où maintenant? En haut? Ah! Putain, mais oh! Elle fait peur! Putain, attends, on pouvait sauvegarder par ici. Ok, il y a la caméra. Dégage! Ok, 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 faut que j'arrive à m'approcher. Attends, je suis vraiment blessé là? Je peux mourir? Ok, je t'ai vraiment blessé. Laisse-moi tranquille! D'accord. Ok, si on passe par là. Va-t'en! Je ne comprends pas. Laisse-moi tranquille! D'accord, mais alors là, j'ai pas trop compris là, je t'avoue là. Je suis pas ça. Ok. D'accord, faut juste aller tout droit. Allez, 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 allez! Allez, oh, ça va toi aussi là. Va-t'en. Allez. Laisse-moi tranquille. Quoi? Arrête, deux fois arrête, d'affilée arrête. Sérieux là? J'ai deux soins forts pour ça, hein. Terrible. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste? Quoi? Ça fait mal! Ça fait mal! Ça fait mal! What? C'est quoi ça? C'est quoi, wesh? Il va me bouffer! Ferme-la! Ferme-la! Aïe! Je l'ai tué? Non. Ok. What the fuck? Tu n'es qu'un petit garçon. Aïe! Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est pas fini. Ok, c'est pas fini toujours. Aïe! Rien. Oh putain, il monte en l'air, littéralement.
Quoi? Quoi? Mais je suis une famille. Ok. Je savais pas, je savais pas s'il fallait que je rechappe, fallait que je mette la garde, on connaît rien, gros, on sait rien. Ok, j'ai un petit pistolet là quand même, non, c'est pas ça. Mais stop! Mais oh! Je prends ma race là! Oh. Inconnu. Ok, donc je peux pas me soigner, c'est tout à fait normal. C'est l'heure d'aller au lit! Ok, j'ai plus de balles. On va au lit quand là, parce que... Ok, c'est bon. Mon nom est Redfield. Quoi ? Content de vous avoir trouvé. C'est Chris Redfield, ça ? Pourquoi vous avez mis tout ce temps ? Comment il a changé ? Ethan ? Et il est stylé, là. Il est swagué de ouf. Tu es vivante. On a réussi. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyn n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro, qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Ok, c'est le générique de fin. Bon, alors comment vous expliquer, enfin, déjà on va faire un résumé global de l'aventure. J'ai kiffé de ouf ce Resident Evil. Alors, il change tout, tout,
tout ce qu'on connaît de Resident Evil, mais il est revenu, parce que c'est vrai que le 4, 5, 6, c'était bah, déjà TPS, et c'était vraiment basé sur l'action, hein. Je vous fais pas un schéma. Alors que là, on est vraiment revenu dans le survival horror. Il faut savoir que Resident Evil 1, à la base, Resident Evil 1, qui est sorti en 1996 ou 18, je sais plus, sur PlayStation 1, il devait être en FPS, mais les capacités techniques de la PlayStation 1 étaient trop limitées, et donc ils en ont fait bah, les Resident Evil, les trois premiers mythiques, bien évidemment, qu'on connaît, avec une maniabilité par contre un peu robotique. Enfin, on n'oublie pas Resident Evil Code Veronica X aussi, hein, l'un des meilleurs, et d'autres spin-offs, mais voilà. Ensuite, c'était TPS, et là, ils sont revenus sur du FPS, et clairement, ils sont revenus dans le survival horror. Voilà, à la base, Resident Evil était maître du survival horror, et là, ils sont retournés maîtres, tout simplement, de leur domaine. Donc, je suis très content qu'ils se soient rattrapés. Ils ont mis un peu trop de temps à mon goût, par contre. Il a fallu attendre Resident Evil 7 pour revenir sur la bonne voie. Mais voilà, au moins c'est fait. Alors, en ce qui concerne le scénario, intéressant. La famille Baker, j'ai adoré. Jack Baker, hyper charismatique. Un peu dommage qu'il nous quitte aussitôt. Marguerite Baker, totalement dingue aussi. Un peu dommage qu'elle nous quitte, entre guillemets, sitôt. Le passage, Lucas, déjanté aussi. Le passage où on a été justement dans la chambre de la gamine, donc de Evelyn, dans la vieille maison, c'est celui qui m'a le plus fait flipper. C'est pas celui où j'ai le plus gros sursaut. Hein. Le plus gros sursaut, c'était sur le bateau, dans l'épisode précédent. Donc, le passage dans la chambre avec Evelyn, justement, où là tu commences à voir des esprits, ça te fait chier dessus. Littéralement. En fait, c'était des hallucinations. Donc Resident Evil n'est pas devenu un Resident Evil de fantômes, un Resident Evil de... Ce que les gens critiquaient beaucoup, parlaient beaucoup au début, c'est compréhensible aussi, mais c'est pas le Resident Evil. On disait, ouais, ça a trop changé, c'est devenu des fantômes paranormal, mes couilles au bord de l'eau, ça fait Cristiano Ronaldo. Et finalement, bah là, vous le voyez, tout s'explique. C'était des hallucinations, en fait, que j'avais, parce que bah, le virus était en moi. Et clairement, bah... certains ont essayé de spoil, dans les commentaires en disant ouais, de toute façon le boss final c'est la grand-mère, mais on pouvait pas vous croire les gars, parce que ça, pour moi je pensais, j'avais vu plusieurs commentaires hein, comme celui-ci durant ces 13 vidéos, mais je me disais c'est une blague, parce que justement la grand-mère elle bouge pas, elle est sur son fauteuil, elle est toute cannée le bordel, tu souffles dessus et elle se brise en 5, et puis c'était la grand-mère et ceci expliquait cela, ces téléportations en fauteuil. Le fait aussi qu'elle chantait la musique Gotelant Woody, justement, la musique, le thème principal du jeu. Donc tout s'explique. Alors par contre, sur la fin, un peu mitigé mais très surpris à la fois, là je vous parle vraiment à froid, c'est-à-dire que Chris Redfield, s'il n'avait pas dit je m'appelle Redfield, je l'aurais reconnu je pense, mais il m'aurait fallu du temps. Pourquoi ? Bah parce que dans Resident Evil 5, ils en avaient créé un rugbyman, le bordel, mais genre rugbyman américain, quoi. C'est-à-dire que c'est x3, il était 4 fois plus large. Là, il a l'air beaucoup plus queuse, il retire son masque, même sa tête est beaucoup moins musclée, entre guillemets, parce que dans le 5, les gars, c'est vraiment là, un mec méga large. Là, il ressemble beaucoup plus au Chris Redfield d'antan, le Chris Redfield, donc le frère de Claire Redfield. Ça fait kiffer Claire Redfield que vous avez vu dans mon let's play sur Resident Evil Révélation 2 d'ailleurs il me semble. Donc à l'heure actuelle c'est l'aventure horrifique la plus hard que j'ai fait. Je pensais pas avoir, franchement je pensais avoir vite fait les couilles d'assumer cette aventure en vidéo et en one shot avec vous, mais finalement ça s'est bien passé. Alors est-ce que je le referai? Pas tout de suite, parce que clairement, il y a des passages assez hard. Et même en les connaissant, rien qu'avec le VR, à mon avis, tu dois vraiment pas être bien. Tu mets le passage du bateau en VR à quelqu'un de cardiaque, bah gros, il est cané sur le champ. T'es sûr que c'était un meurtre, hein, ce que t'as fait, hein, parce que tu voulais le tuer à la base. Hein. Donc voilà, c'était terrible, j'ai kiffé. Du premier épisode jusqu'à la fin, tout était présent. Tout était présent. Au début, on voulait savoir pourquoi Jack Baker était aussi dingue. Pourquoi la famille était aussi dingue, pourquoi elle se régénérait, on voulait aussi savoir pourquoi Mia était possédée, on voulait savoir pourquoi il y avait des apparitions d'une gamine. Bref, ils ont su
garder l'énigme du début, des mystères du début à la fin. Et c'est ce qui fait que vous avez regardé chaque épisode parce que vous aviez hâte de voir la fin justement. Donc incroyable, incroyable. Merci pour cette expérience. Et laissez-moi vous dire d'ores et déjà que l'expérience Resident Evil 7 n'est pas terminée. Maintenant, il va y avoir les DLC. Et croyez-moi que les DLC sont plus ou moins hard et c'est des scénarios additionnels dont des DLC, apparemment un DLC qui se passe après, qui est considéré limite comme une fin. À voir. J'espère aussi un DLC où on incarnera Chris Redfield. Ce serait vraiment le top. Donc on verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On en saura plus justement dans les DLC au sujet de la famille Baker qui était incontournable à cette, dans cet opus. En tout cas, bombardez la barre des likes, bombardez de pouces verts. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Enfin, pouce bleu maintenant, parce que maintenant ils sont bleus. Et partagez cette vidéo. Revivez l'expérience, revivez le let's play si vous le souhaitez. En tout cas, moi je pense que je vais refaire mon propre let's play. C'est une des premières fois que je dis ça, mais vraiment cette aventure horrifique, elle m'a marqué, elle m'a fait kiffer. Quasi tous les épisodes ont été en top tendance. Vous m'avez fait kiffer, littéralement. Vous m'avez reboosté, vous m'avez redonné la patate, les mecs. Donc laissez-moi vous dire que en mars, un let's play va arriver. Une aventure exotique. C'est un petit peu comme Far Cry, mais pas vraiment. Ça sera mieux, à voir. J'espère que vous serez là, j'espère que vous suivrez, ça va être totalement fou. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, ciao ciao. Oh là là! Contenu additionnel, Not a Hero, avec Chris Redfield justement qu'on vient de voir, printemps 2017. Ah voilà, c'était le petit tease de fin qui a régalé les gars. Ah, c'est totalement fou. J'installe DOSPA les DLC. On se retrouve dans 2-3 jours, le temps de se remettre des émotions, pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 7, parce que c'est pas terminé, les potes. À très bientôt. Bisous tout le monde.